Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 6 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui 15h. Et le premier défi va vous demander d'ouvrir des cosses de graines de réalité. Alors, pour réaliser ce défi, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cosses de graines de réalité. Donc les cosses de graines de réalité, c'est tout simplement ceci. Donc c'est les gros trucs ronds que vous voyez sur les racines des arbres. Alors l'arbre en question où je suis, c'est à la cascade de la réalité. Donc, mais de toute façon, des arbres de réalité comme ceci, il y en a plusieurs partout dans la map. En fait, ça se propage et des graines, racines comme ça, où il y a des cosses dessus, il y en a plusieurs dans la map. Donc c'est pour ça que je vous ai affiché une image avec tous les emplacements. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement ouvrir des cosses pour obtenir des graines de réalité. Et vous allez devoir ouvrir 3 cosses au total. Donc là, j'ai ouvert une cosse. Je sais que là-bas, il y en a une deuxième. Regardez, vous pouvez déjà l'apercevoir. Donc hop, vous allez à une autre racine, là où il y a une autre cosse. Vous ouvrez la cosse. Et ensuite, vous obtenez les graines de réalité. Donc là, il me manque encore une cosse. Et après, j'aurai terminé le défi. Et regardez, il y a une cosse juste là. Donc, ne cassez pas la branche, enfin la racine. Vaut mieux monter jusqu'à la cosse et détruire la cosse directement. Parce que peut-être que si vous détruisez la branche, la racine, ça ne comptera pas pour votre défi. Et dès que vous aurez ouvert 3 cosses de graines de réalité, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de réaliser des tirs dans la tête à au moins 40 mètres de distance ou plus avec le fusil d'assaut Hammer. Alors le fusil d'assaut Hammer, c'est tout simplement ce fusil-là. Donc voilà, ce fusil, vous pouvez le trouver dans des coffres posés au sol comme ça sur la map de Fortnite. Et voilà. Je pense qu'il y a même des personnages qui le vendent, mais c'est pas sûr. Mais voilà, donc quand vous avez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 5 tirs-tête à des personnes qui sont à plus de 40 mètres. Donc pour savoir à combien de mètres sont les adversaires, ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre ping. Donc pour utiliser votre ping, hein, c'est tout simple, hein, vous allez dans vos paramètres de touche, vous allez dans custom, et là, vous allez tout simplement aller dans flèche de gauche, moi je l'ai mis sur flèche de gauche, et placer marqueur. Donc il faut vraiment attribuer la touche placer marqueur à une de vos touches pour pouvoir le placer. Donc au cas où ça ne serait pas disponible sur votre manette. Donc moi je fais flèche de gauche, et regardez, je peux voir que là je suis à 48 mètres. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est tout simplement essayer de pinguer un adversaire pour voir à combien de mètres il est. Donc là il est à 41 mètres, là il est à 38 mètres, donc là je suis trop proche, donc ça sert à rien que je fasse des tirs tête. Donc je m'éloigne un peu. Hop, là il est à 45 mètres, donc là c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement lui infliger des tirs-têtes quand il est à plus de 40 mètres minimum. Donc il faut au moins qu'il soit à une distance de 40 mètres. Là j'ai fait que 2 tirs-têtes, donc c'est pas suffisant. Donc tout simplement, il faudra retrouver un autre adversaire et lui réinfliger des dégâts en étant sûr que la personne adverse soit au moins à 40 mètres. Là, il est à 30 mètres. Enfin, vous avez compris le délire, hein. Dès que vous aurez infligé 5 tirs-tête à des adversaires qui sont à un minimum 40 mètres ou plus de votre position, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'acheter une arme exotique à un personnage. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des armes exotiques, enfin des personnages qui vendent des armes exotiques dans Fortnite. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais mon jeu est complètement buggé. Il n'est pas pixelisé. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, là, il y a un personnage qui se trouve juste ici, donc au sanctuaire à côté, côté droit du sanctuaire. Et là, quand vous allez parler à ce personnage, il va vous vendre une arme exotique. Donc là, ça coûte 600 lingots d'or. Peut-être que les autres personnages que je vous ai montrés en début de vidéo où il y a la map vendent des armes moins chères. Mais de toute façon, le minimum que vous pouvez acheter une arme exotique, je pense que c'est 400 lingots d'or. Je pense qu'à la bombe Bosch,
le personnage vous vend l'arme exotique à 400 lingots d'or. Donc vous lui achetez l'arme exotique pour contre de l'or et là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser une bulle mobile, une tyrolienne et un geyser en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de venir ici à la bamboche. Parce que justement à cet emplacement là vous allez pouvoir trouver des bulles mobiles. Donc directement ce que vous faites c'est que vous allez sur le côté droite du nounours. Regardez là il y a une tyrolienne. Vous allez en bas de la tyrolienne, vous utilisez la tyrolienne pour monter. Ensuite, direct quand vous êtes en haut, vous prenez la bulle mobile. Donc là, vous avez déjà utilisé une tyrolienne plus une bulle mobile. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez directement vers les geysers. Donc les geysers, ils se trouvent près de la cascade de réalité. Donc regardez, juste ici, là, il y en a blindé. Donc je vais me rendre à cet emplacement pour utiliser un geyser. Donc de toute façon, quand vous êtes en bulle mobile, vous allez pouvoir vous déplacer un petit peu plus vite. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc voilà, là j'arrive près des geysers en question. Donc vous n'êtes pas obligé de rester dans la bulle mobile pour utiliser les geysers, mais vous pouvez si vous voulez. Donc là, il y a plein de geysers. Ce que vous faites, c'est que vous vous mettez sur l'un des geysers. Et dès qu'il va vous propulser, là normalement vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'utiliser le gant cramponneur pour attraper une tyrolienne dans les airs. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gants cramponneurs et des tyroliennes de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc moi ce que je vais faire, c'est tout simplement me rendre ici sur le gameplay, donc à côté de Daily Buggles, donc juste ici. Vous pouvez repérer les stands de gants cramponneurs parce que voilà, il y a une grande perche comme ça, une grande tige en métal. Plus un logo de grappin et tout ça est en mauve comme ça, coloré en mauve. Et en fait, quand vous êtes dans un stand, dans un emplacement où il y a des gants cramponneurs, vous avez des boîtes à outils comme ça, roses. Et en fait, dans ces coffres à outils, vous avez 80% de chances de tomber sur un gant cramponneur. Donc normalement, il y en a 1, 2, voire même 3. Donc vous avez de grandes chances de tomber sur un gant cramponneur. Donc dès que vous avez un gant cramponneur, ce que vous faites, c'est que vous le prenez. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est l'utiliser pour vous envoler et ensuite attraper une tyrolienne. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement m'accrocher à ce palmier. Voilà. Donc après, je me balance au palmier et je fais en sorte d'arriver à me propulser vers la tyrolienne pour choper la tyrolienne quand je suis dans les airs. Donc là, j'ai raté, donc je vais recommencer. C'est peut-être mieux de partir d'un peu plus haut. Si je me suis pas, j'ai commencé d'un peu bas. Donc hop, je m'accroche. Voilà. Et là, je me lâche. Et je spam carré. Regardez, voilà, là j'ai réussi. Il y a peut-être une méthode plus facile, hein, par exemple, si vous venez ici, parce que je sais que le gant cramponneur, vous pouvez vous cramponner sur des objets au sol. Donc là, par exemple, je me cramponne. Voilà, je saute. Et j'attrape la tyrolienne au vol. Donc voilà, je pense que ça fonctionne aussi de cette façon-là. Dès que vous aurez réalisé ce défi comme je viens de vous le présenter, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de cueillir un fruit légendaire ou mythique sur un arbuste de réalité. Alors pour réaliser ce défi, déjà il faut rejoindre votre arbuste de réalité. Donc l'arbuste, mon arbuste de réalité, il est indiqué par un petit logo qu'on peut voir juste ici. Donc je vais rejoindre cet arbuste. Et si vous ne savez vraiment rien à propos des arbustes de réalité, je vous invite à aller regarder la vidéo que je mettrai en description, en commentaire épinglé, qui est une vidéo d'un guide complet qui vous explique l'entièreté de l'utilisation des arbustes. Donc ça vous explique vraiment comment utiliser un arbuste de A à Z et toutes les fonctionnalités qui tournent autour de ça. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est une vidéo très complète et très utile. Donc là, regardez, mon arbuste de réalité est juste ici. Donc pour lui faire apparaître des fruits légendaires, pour lui faire apparaître des fruits, il faut déjà que je désherbe l'arbuste de réalité. Donc là, j'arrache les mauvaises herbes. Voilà, donc je désherbe mon arbuste. Et là, regardez, il y a des fruits qui vont pousser. Donc là, j'ai des fruits rares qui ont poussé. Vous pouvez voir que l'état de l'arbuste est en bas à gauche de l'écran. Donc à gauche, il est marqué « fruits rares ». Donc là, évidemment, je ne peux pas réaliser mon défi parce que je suis en rareté rare. Par contre, le prochain désherbage se passe dans 2h45. Quand je désherberai mon arbuste, là, il passera peut-être en épique. Donc voilà, il passera en rareté mauve.
Ensuite, quand il est en rareté mauve, il faudra que je redésherbe l'arbuste pour qu'il devienne en rareté légendaire. Donc là, je ne saurais pas réaliser le défi tout de suite parce que bah, mon arbuste est uniquement en niveau de rareté rare. Donc pour le faire augmenter, les fruits, il faut que je désherbe l'arbuste en question. Alors, c'est pas tout, parce qu'en fait, cet arbuste, pour réaliser ce défi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre propre arbuste de réalité. Vous pouvez utiliser un arbuste de quelqu'un d'autre. Donc moi, ce que je vous conseille, si votre arbuste est à l'état rare et que vous allez pas, que vous voulez absolument faire le défi rapidement, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici à la cascade de réalité. Donc, voilà, vous vous rendez ici et là, vous cherchez après les arbustes d'autres joueurs. Donc je ne sais pas si les arbustes sont toujours à ces emplacements-là, hein, parce que je sais qu'en début de saison, tout le monde mettait son arbuste ici. Mais là maintenant, comme les saisons ont évolué, bah, c'est plus difficile d'en trouver. Donc peut-être aller voir à un autre lieu où il y a beaucoup de graines de réalité. Donc par exemple, il y a beaucoup de personnes qui mettent des arbustes de réalité à la cascade de la réalité. Ici, juste en dessous de Rocky Ribs, à Shuffled Shrines, ou alors à Logjam Lotus, voire même juste ici, c'est possible aussi que vous trouviez des arbustes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement relancer une partie et aller à un autre emplacement pour chercher des arbustes. Donc voilà, là, je vais à Logjam Lotus. Je vais aller chercher après des autres arbustes de réalité. Alors, il faut savoir que les fruits mythiques, vous ne pourrez pas les voler aux autres joueurs. Mais les fruits légendaires, ça, vous allez pouvoir les voler aux autres joueurs. C'est pas un problème. Donc regardez, là, il y a un arbuste de réalité d'un autre joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir son arbuste. Et voir, regardez, là, il y a un fruit légendaire. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement cueillir ce fruit légendaire pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez réaliser le défi en utilisant l'arbuste de quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai utilisé l'arbuste de Tudor LOL. Donc voilà, il dort tellement qu'il n'a pas récolté son arbuste. Donc moi, j'ai pu récolter son arme légendaire. Donc dès que vous aurez récolté un fruit légendaire ou mythique, bah là, vous aurez terminé votre défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires avec des fusils d'assaut rares ou supérieurs. Alors déjà, les fusils d'assaut, vous pouvez les repérer grâce aux munitions. Donc là, vous voyez, ça, c'est des balles normales. Et les balles normales, c'est les fusils d'assaut qui les utilisent. Donc si vous voyez ce genre de pistolet mitrailleur, là, c'est un pistolet mitrailleur, donc ça ne fonctionnera pas. Donc il vous faudra un fusil d'assaut de niveau rare ou supérieur. Donc niveau bleu, voilà, minimum, ou supérieur. Donc bleu, mauve, or, exotique, etc., etc. Donc quand vous avez une arme de niveau supérieur, enfin supérieur à rare ou rare, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc, vous allez devoir infliger 1000 de dégâts aux adversaires. Donc tout simplement, quand vous voyez un adversaire, vous prenez votre fusil d'assaut rare ou supérieur et vous lui infligez des dégâts pour terminer le défi. Et dès que vous aurez infligé 1000 de dégâts avec votre arme de niveau, votre fusil d'assaut de niveau rare ou supérieur, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, les deux prochains défis sont des défis de secours. Ils seront disponibles uniquement si l'un des défis précédents sont buggés ou ne fonctionnent pas. Donc le premier défi de secours va vous demander de détruire des structures avec du feu. Alors, pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici, à côté de Greasy Groove, donc juste à cet emplacement-là. Voilà, vous vous rendez ici et normalement vous allez voir qu'il y a des lucioles qui sont disponibles. Donc là, j'en vois pas. Ok, là, regardez, il y en a. Donc, hop, vous les chopez. Donc là, j'en ai eu un. Hop, je vais en prendre plusieurs. Donc là, vous appuyez sur carré pour choper les lucioles. Ça vous fait des bocals à lucioles. Donc là, il n'y en a plus. Bon, là, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Donc, je vais quand même vous afficher une map avec tous les emplacements des vocales à lucioles de Fortnite saison 3, chapitre 3. Donc, les spawns ne sont pas fixes. Mais franchement, avec cette map, je pense que vous allez pouvoir en trouver facilement. Et dès que vous avez vos vocales à lucioles, ce que vous faites, c'est tout simplement détruire des structures. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de directement vous rendre à Greasy Groove. Donc, je vais récupérer mon grand cramponneur peut y retourner. Et ensuite, ben, je vais tout simplement mettre feu au bâtiment
pour détruire des structures avec mon bocal à lucioles. Après, il y a une autre solution, hein. Vous pouvez utiliser des jerrycans d'essence. Donc, si vous passez à côté d'une pompe à essence et que vous en trouvez, ben, vous prenez des jerrycans d'essence. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire exploser les pompes à essence. Les pompes à essence vont exploser et ensuite, ça mettra le feu aux structures. Donc, pour réaliser le défi, il faudra détruire 100 structures. Donc, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même beaucoup. Mais voilà, dès que vous croisez une pompe à essence, voilà, comme celle-ci par exemple, vous tirez dans la pompe à essence, ça va exploser et vous allez voir que ça va mettre le feu aux structures. Après, comme c'est une pompe à essence, voilà, les structures sont en pierre, donc ça va être un peu compliqué de les mettre en feu. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille de prendre des bocaux à lucioles ou alors des bidons d'essence si vous en trouvez. Et ensuite, vous allez vers une maison en bois. Par exemple, celle-ci, elle est totalement en bois. On voit bien qu'il n'y a pas de briques. Là aussi, c'est une maison totalement en bois. Il y a un ou deux murs en briques, mais bon, ça fait l'affaire. Donc, vous prenez votre bocal à luciole. Vous lancez le bocal stratégiquement en plein milieu de la maison. Voilà, boum, comme ceci. Là, ça va prendre feu. Bon, il n'y a que la cheminée qui est en pierre. Et là, regardez, ça va détruire blindé de structures. Vous faites pareil avec le bâtiment qui est juste à côté. Quoique, celle-là, elle est un peu plus avantageuse. Je pense qu'elle est totalement en bois. Donc, on va utiliser celle-là pour mettre le feu aux structures plus facilement. Donc, regardez, là, ce qui est bien, c'est que toute la maison est en train de prendre feu. Il faut savoir que, par exemple, s'il y a un lit, une armoire, etc., ça compte pour une structure. Donc, vous allez vraiment mettre le feu à beaucoup de structures en même temps. Donc là, j'ai peut-être mis le feu à 20 structures en un seul bocal. Là, pareil, hein, j'aurais mis le feu à peut-être 20 structures en un seul bocal. Donc au total, avec 5 bocals à luciole, normalement, vous devrez facilement réaliser le défi. Et dès que vous aurez infligé 100 structures, dès que vous aurez détruit 100 structures avec du feu, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi de ce cours va vous demander d'infliger des dégâts aux adversaires avec un fusil de sniper. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un fusil sniper. Donc, soit vous vous rendez ici sur le gameplay, donc juste ici. Donc, désolé, mais je ne sais pas pourquoi mon jeu a du mal à charger. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, c'est tout pixelisé, enfin bref. Soit vous vous rendez ici si vous avez la flemme de trouver un sniper et vous achetez le fusil sniper au personnage qui est juste là, donc fusil sniper explosif. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, ou alors ben, tout simplement si vous voulez pas user vos lingots d'or parce que ça coûte quand même 600 lingots d'or, vous trouvez un fusil de sniper posé au sol n'importe où sur Fortnite ou alors dans des coffres. Et dès que vous avez un fusil sniper, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc, vous allez devoir infliger un total de 500 de dégâts pour terminer le défi. Donc, tout simplement, vous trouvez un adversaire et vous infligez des dégâts avec votre fusil sniper. Donc, voilà, vous faites ça sur plusieurs adversaires pour un total de 500 dégâts. Et dès que ce sera fait, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 6 de Fortnite saison 3 chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.